Cette vidéo concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Il s'agit de la vie de l'être humain. Ok? Regardez très bien la vidéo avec tous les détails. Le monde part en couille. J'ai commencé à préparer, j'ai senti l'odeur. Et dès que j'ai ouvert, je me suis dit que c'est le fil qui a commencé à fuir. J'ouvre, je vois que tout est bien fermé, mais je sens l'odeur de gaz. Et c'est comme ça que j'ai laissé le placard ouvert comme ça pour que le vent puisse rentrer et puis ça va faire sortir l'odeur. Et on a constaté la même bouteille, s'il vous plaît, de l'autre côté ici aussi que c'est pas rempli. C'est la même bouteille qui sortait, c'est la même bouteille qui est ici. Et on a regardé la même bouteille dans les autres vidéos. La fermeture n'est pas pareille comme les autres fermetures. Et puis la bouteille aussi, elle est totalement trafiquée. Parce que vraiment, on ne voit pas les écritures, tout est effacé. Et la bouteille n'est pas aussi pleine. Je peux soulever ces deux bouteilles. Et ça, je soulève. Et ici, les oris, c'est totalement plein. Voici ça. Je soulève avec deux bras. Et ici, les fermetures sont les mêmes fermetures. Non, quand même pas. Je ne veux pas qu'on ouvre. Donc, je veux, à travers cette vidéo, vraiment, c'est une sonnette d'alarme. Parce que nous allons sur les réseaux pour un certain nombre de sujets, mais ce sujet-là, il est très délicat. Aujourd'hui, toute la nation est en danger. Je vais vous faire passer une vidéo précédente, et ça, c'est chez moi, à la maison. J'ai des réserves de bonbonnes de gaz. Et ce matin, j'ai demandé à ma fille de faire une omelette. Et j'ai senti que le gaz, parce que j'ai l'odorat très fin, j'ai senti que le gaz avait pris la maison. Pas la maison, mais la cuisine. Je vous demande pardon. Au nom des vies qu'on peut épargner en ce jour et pour l'avenir. Il fait en ce moment extrêmement chaud. Je vous invite à diffuser cette vidéo, mais également à prendre nos dispositions afin que l'État puisse protéger la population. On ne peut pas, on n'a pas les moyens de pouvoir identifier ces bonbons de gaz, mais la vie de plusieurs ménages est en péril, en danger. Utilisons les canaux pour pouvoir non seulement sensibiliser les ménages, mais pour que l'État prenne la main sur ce danger public, d'ordre public. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à diffuser cette vidéo pour sauver des vies humaines. Merci à vous. Les gens sont méchants, en fait. Donc, faites attention. Ils ont trafiqué riz. Ils ont trafiqué, comment on appelle, poisson. Même poisson qui est poisson, là. Ils ont trafiqué poulet. Ils sont arrivés ici, gaz. Et c'est très dangereux. C'est dangereux. Gaz, là, quand ça s'explose dans la maison, c'est dangereux. Ça peut anéantir toute une famille. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Quand vous mettez les gaz, faites attention. Fermez bien. De telle sorte que ça, si ça fuit là, en tout cas, faites de telle sorte que faites tout votre possible pour voir à quel moment ça fuit au fait. Ok? Les gens sont méchants. Et puis prenez aussi là où c'est un peu sans risque, un peu, ça la station totale parce que ils prennent leur gaz dans les coins, dans les vraies usines, là où ça se fabrique, avant en tout cas. Donc, j'espère que c'est comme ça maintenant. Donc, prenez gaz là où vous savez que quand vous prenez, ça ne fuit pas. Ne dites pas que, non, comme le coin là, c'est tout près, donc je vais aller prendre comme c'est tout près. Alors que quand tu prends, ça fuit. Là où tu sais que même si là-bas est un peu loin, mais quand tu prends, tu es un peu en sécurité, va là-bas et puis prends ton gaz. Là où tu sais que quand tu t'en vas prendre le gaz même là, là-bas là, c'est en sécurité, va prendre. Et puis maintenant, comme c'est comme ça, et ils enlèvent les écritures là, ils font...